Mais tu peux obliger ton cœur à être ce que tu veux qu'il soit. Mm-hmm. C'est pas facile, hein? Je vous parle d'un truc, je l'ai vécu, ok? Je vous parle d'un truc, quelqu'un peut-être avec qui vous êtes dans la même maison. Quelqu'un que tu es censé aimer, mais qui te fait un truc qui fait que tu le détestes. C'est-à-dire déteste top là. Mais tu obliges ton cœur à aimer cette personne. Comment tu peux faire? C'est chaque jour de te dire je l'aime. Tu vois? Lorsque le sentiment vient, oh il m'a fait ça, je le déteste. Tu te dis au fond de toi, je l'aime. Je vous assure que ça marche. Okay. Quelqu'un pour qui tu as du mépris. Quelqu'un pour qui tu as une raison de l'arracher les dents. Que tu te dises, je l'aime. Ça permet vraiment d'y arriver. Ça permet de chasser ce sentiment-là. Ce sentiment de regret ou ce sentiment de mépris, de haine, tu vois. Donc, tu lui dis, au fond de toi, même si tu ne le lui dis pas, tu te dis, je l'aime. Je l'aime. Tu te dis ça, tu te répètes ça. Parfois, quand tu te dis ça, c'est stupide parce que le sentiment te dépasse. Du coup, dans ta tête, ça veut dire, oh, regardez, tu te trompes toi-même que tu l'aimes. Dis-le. Au bout d'un temps, tu te rendras compte que les actes que tu poses face à cette personne, faut que la personne même ne comprend pas pourquoi tu l'aimes. Je vous le dis, j'ai vécu ça. La personne se demande, mais en fait, celle-là, c'est qui? C'est malgré tout ce qui s'est passé, elle continue à t'aimer.